Ah, Ngaï, comment ça va? Ah, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, dépense. Toujours ça. Ok. Merci bien, au revoir. À bientôt. La quoi? La dépense. Quelle dépense? On ne prépare pas aujourd'hui. Qu'est-ce que je t'avais dit hier là? Qu'est-ce que tu vas mettre? Non, non, ta bouche là. Ta bouche là est tordue. Il est renversé. Ta bouche là. Il est renversé. Non, écoutez. Qu'est-ce que toi et moi, qu'est-ce qu'on a décidé hier? L'ami. Tu sais ce que tu vas faire? Donne-moi la dépense. Il est 8h, je vais aller au marché. Tout de suite là. Ah! Non. Je vais donner tout de suite. C'est pas possible. Tenez. C'est ce que j'ai. Avec ça là. Je parle de vous. Avec ça. Tu sais que ça ne suffit à rien. Hein? Bonjour, maman. Voilà. Bonjour, papa. Bonjour. Papa, je vais aller. Si je ne fais pas la crise, que je tombe. Le jour que quand je meurs seulement, vous allez voir ça va se passer derrière moi ici. Là. Tu vas où? Mais voilà la route, ma fille. Il faut partir. Comment il va aller? Non, il pourra partir pour aller étudier. C'est pas. Papa, je peux aller comme ça sans transport. Ma fille a raison. Donne-moi ça. Voilà. Toi, tu peux partir un à un jusqu'à l'école. Pour aller regarder. Ça ne suffit pas. Non. Quoi? Ça ne suffit pas. Voilà la route. Il faut aller à l'école pour aller regarder les tableaux vis-à-vis. Après maintenant, après regarder les tableaux maintenant, tu vas te retourner un, deux, jusqu'à dans notre maison ici. Il faut aller. Éloigne-toi de moi. Voilà, et tu vas mourir. Tu me mouriras et tu vas rester derrière moi. Tu resteras fouillant. Moi. Parce que pour tout, depuis ma naissance, tout ce que j'ai fait dans ma vie, moi je n'ai jamais fait ça dans mes propres parents. Et puis tout ce que j'ai fait avec mon père était franc. Surtout mon père était un homme élégant, était un homme scientifique. Et puis mon père, il a été tout. Ah. Tu as venu de parler. Tout. Je dis que je vais te tuer. Tu vas me mourir. Moi? Toi? Tu vas te tuer toi-même. Il faut te tuer. Tu regardes si tu meurs, c'est fini. Qui perd, c'est toi. Moi, je m'en fous. Si je ne pense pas que la maison-là ne m'appartient pas, je vais te frapper comme le propriétaire de cette maison a dit que chaque fois il y a la bagarre ici. C'est pourquoi je suis cool maintenant. Mais tu l'auras.